Nous partageons la parole de Dieu en lisant un passage des Écritures depuis l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 1er, nous lisons le 28e verset. Colossiens 1, 28. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alléluia. Dans d'autres versions, on parle de la maturité. Notamment, vous pouvez voir ça dans la version Parole de vie. Pour ceux-là qui ont les Bibles Parole de vie, ces versions-là, il est rendu. Je travaille à mener les chrétiens à leur pleine maturité. La maturité pleine. Quand vous lisez également dans la version Second 21, la version Second 21, il est dit que toute personne devenue adulte, mature. Au fait, ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu autour d'un sous-thème, la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. L'apôtre Paul dit, je travaille sur les Colossiens pour quel but? Pour quel but? Le but ultime du travail de Paul sur les Colossiens, c'est faire de ce peuple-là, de cette église, une église mature, où les fidèles ont grandi, sont aguerris. L'apôtre Paul dit, si je travaille, c'est pour un but. C'est de faire de cette église une église de matures, des personnes aguerries, des personnes affermies et qui ne se trouvent pas ballottées à tout vent de doctrine, non. Des personnes qui savent se reposer sur des bases de la foi solide. Alléluia. Savez, tout en étant chrétien, nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur un jour. Nous grandissons. Et en grandissant, il y a des gens qui se réfèrent à nous, qui n'ont que nous pour repère. Et dans notre croissance là, s'il y a des faiblesses, nous devenons des mauvais exemples pour eux. Nous devenons des mauvais exemples. L'apôtre Paul dit, j'ouvre une petite parenthèse dans Galates chapitre 4, 1 à 4. Galates 4, 1 à 4, Paul dit, tant qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien en un esclave. Héritier, mais un enfant. Comme pour dire, il ne sait pas se décider sur ce qui est à lui. Mais pourquoi? Mais parce qu'il est un enfant. Un enfant est caractérisé par le caractère frivole, par l'instabilité. Mais un adulte, il avance tout en étant réfléchi, parce que c'est un homme mature, qui se prend des décisions et assume des conséquences. Et Paul dit, pour cela je travaille. Je travaille. Je travaille. Alléluia. Je travaille. Lorsque vous avez pris la décision de devenir chrétien, vous avez pris de bonnes décisions. Quand nous avançons sur le chemin de maturité, il y a des convictions que Dieu implante en nous. Quand vous cherchez des explications à gauche, à droite, vous n'en aurez pas. Seule la foi, en ce moment-là, joue en vous par rapport à ce que vous connaissez, que votre Dieu est capable d'accomplir. Là, le Seigneur nous conduit sur le chemin de la maturité. Mon frère, ma soeur, tu dois quitter le stade où tu es là comme un poussin. Non. Il y a des moments où tu ne sais rien voir. Tu n'as reçu aucune prophétie.
Mais le Seigneur dépose en toi une conviction. Cette conviction-là, peut-être qu'il n'y a que toi qui l'as reçue, forcément. Tous ceux tout autour de toi ne pourront jamais te comprendre. Mais si cela est venu du Seigneur, reste attaché au Seigneur. Tu es dans un processus irréversible. Il y a des choses que le Seigneur a décidé d'accomplir avec toi et par toi. Mais si tu relâches, tu auras relâché ce que le Seigneur voulait accomplir avec toi. Je fais ceci lorsque nous lisons la Bible. Dans Romains chapitre 3, verset 24. Romains 3, 24. J'aime Romains. Martin Luther, moine, prêtre catholique, lisait les Écritures. Il célébrait la messe des indulgences. Où il est dit, quand tu viens, pêche à toi, mais viens avec tes offrandes. Quand tu viens avec tes offrandes, ça tombe dans les troncs. Pape au Saint-Siège expie vos péchés à tous. Luther prêchait ça. Mais le jour où ses yeux sont tombés sur Romains 3, 24, nous y avons été gratuitement justifiés. Les écailles sont tombées de ses yeux. Luther a dit quoi? Nous y avons été gratuitement justifiés. Moi, je prêche l'évangile d'indulgence. Martin Luther a dit, non, ça, je ne prêche plus. Je ne prêche plus. Tout a changé. Et c'est comme ça que la réforme est partie. Les gens disent à Luther, Luther, souviens-toi de Jean Hus. Il a osé, il a été brûlé. Souviens-toi, souviens-toi. Luther a dit que si elle avait été brûlée, la vérité, elle n'avait jamais été brûlée. Et comme la vérité n'avait jamais été brûlée, j'avance. Il se met à écrire les 95 thèses de Wittenberg. Ce qui fait que lorsque le Seigneur dépose des convictions dans nos cœurs, nous sommes sur le chemin de la maturité. Il faut y avancer, tout en sachant, dans la foi chrétienne, on n'y fait pas de surplace. Soit tu avances, soit tu recules. Mais quand tu dis, je le fais sur le surplace impossible, tu ne peux pas faire le surplace. Tu serais en train de dégringoler, croyant faire le surplace. De tout ce qui précède, quoi retenir? Quelques vérités majeures pour ce matin. La toute première, nous disons que lorsque nous sommes sur le chemin de la maturité, c'est que notre amour pour Dieu devient inaltérable. Notre amour pour Dieu devient inaltérable. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque notre amour pour Dieu devient inaltérable, qu'est-ce que cela veut dire? C'est aimer le Seigneur d'un amour qui ne change pas, qui ne diminue pas, plutôt qui ne ferait que monter. Monter. Ça veut dire quoi? Que le vent souffle, que j'ai à manger ou non, que j'ai l'argent ou non, que j'ai ce que ou non, mon amour pour le Seigneur ne doit pas diminuer. D'ailleurs, le Seigneur lui-même dit, dans Romains chapitre 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ceci. Lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur, lorsque nous étions bons à rien, lorsque nous étions médiocres et sales, Dieu nous aimait. Notre amour pour nous, pour lui, mon frère, ma soeur, doit être inaltérable. Il y a de ceux-là qui aiment Dieu que quand tout marche bien. Là, Dieu, ah, alléluia, alléluia, amen. Tu es bon, alléluia, amen. Mais quand il y a un moindre pépin, non, Dieu m'a abandonné. Dieu ne m'aime plus. Non, ça devient un amour à intérêt. Notre amour pour Dieu étant un amour inaltérable, il n'y a rien qui puisse affecter cet amour-là négativement. La Bible dit, le Dieu-là qui t'a sauvé, ces années à lui ne finiront jamais. Ne finiront jamais.
ces vêtements que nous aimons aujourd'hui, demain, après-demain, nous ne les aimerons plus. Pourquoi? Ces vêtements se seraient déjà usés. Mais Dieu, lui, il n'y a rien qui puisse les rendre vieux. Il n'y en a pas. Et quand tu te réfères à ça, mon frère, ma soeur, tu n'as rien à lui donner. Dis-moi, tu peux l'aimer. Et en l'aimant, tu construis une destinée avec lui. Alléluia. En aimant le Seigneur, tu construis une destinée. Nous avons là une raison de plus de l'aimer, au-delà de toute mesure. Pourquoi? Parce que lui, il est Dieu éternel. Deuxième vérité. Deuxième vérité. Nous amène dans Genèse. Genèse chapitre 29, verset 35. Genèse 29, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Là, c'est Léa qui parle. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, cette fois, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle appela du nom de Juda. Elle cessa alors d'enfanter. Les hommes peuvent ne pas avoir de l'attention sur toi. Tourne tes regards vers le Seigneur. Adore le Seigneur. Exalte le Seigneur. Le Seigneur est capable de toucher les cœurs de ceux-là qui ont fait de toi la rugée de tous pour que leur cœur fléchisse en face de toi parce que Dieu les a contraints, parce que ton amour pour ces dieux-là a suffisamment grandi. Léa s'est dit non, cette fois-ci, je célébrerai le Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu peux te dire, j'ai fait autant d'années dans le chômage, il n'y a pas de travail, il n'y a personne qui me regarde. Mais dis-moi, le Seigneur peut te regarder. Léa dit non, cette fois-ci, je célébrerai le Seigneur. Et quand tu célèbres le Seigneur, mon frère, ma soeur, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas chose beaucoup meilleure que d'être en intimité avec le Seigneur. Quand nous sommes en intimité avec le Seigneur, il y a des choses le plus impossible que le Seigneur dompte, qu'il maîtrise, qu'il soumet. Dieu est immense. Il est étonnant. Et quand vous y arrivez à ce qui vous étonne, qu'est-ce que vous allez lui rendre? Vous fléchissez vos genoux. Fléchissez vos genoux face à lui en disant, non Seigneur, tu es formidable. Tu me dépasses dans ce que toi tu es. Je ne comprends rien. Je ne saisis rien. Mais dans tout ce que tu es là, tu m'as aimé moi, l'homme sale, propre, médiocre, oh, qui n'avait même pas de forme. Mais ton amour s'est révélé sur moi afin de me faire du bien. Non, Seigneur, tu es formidable. Tu es étonnant. Je n'ai rien à te rendre. Dis-moi, je peux te rendre les actions de grâce. Mon frère, ma soeur, les hommes sont ce qu'ils sont. Dieu t'aime. Quand bien même tout le monde peut te dire qu'il te hait, mais devenu enfant de Dieu, Dieu t'aime. La troisième vérité, nous allons dans Josué chapitre 23. Josué chapitre 23. Nous lirons les 14e verset. Josué dit, voici que je m'en vais aujourd'hui, où va tout ce qui est terrestre. Vous reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel
votre Dieu n'est resté sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Amen. Aucune, aucune. Mon frère, ma soeur, Dieu est juste. Dieu n'a aucune raison de nous jouer de mauvais tours. En lui-même, il est Dieu. Il se suffit à lui seul. Nous, là, sans lui, nous sommes malheureux. Parce qu'il est le Dieu tout suffisant. Nous avons besoin de lui. Josué dit, peuple d'Israël, nous avons marché avec lui. Ayant marché avec lui, fais le bilan de toutes les belles paroles que Dieu a prononcées. Aucune n'est restée sans être accomplie. Aucune. Aucune. Mon frère, ma soeur, non. Une personne sur le chemin de la maturité, il a avec lui non ses propres projets seulement, mais il a aussi un background rempli de ce que Dieu a accompli. Et il traîne ce background-là avec lui en disant, oui, j'ai des promesses de Dieu que je détiens. Mais qu'est-ce que la Bible me révèle que Dieu a accompli? Sur tous ceux à qui Dieu a promis, il a accompli. Et ce n'est pas à toi, mon frère, ma soeur, que Dieu ne pourra pas tenir parole. Non, Dieu est capable. Dieu est la vérité. Sa parole est la vérité. Nous ne deviendrons jamais matures si nous ne nous contentons que, oui, de cela, on nous dit, oui, pasteur, priez pour moi. Oui, le pasteur prie pour toi. Mais toi-même, en toi, qu'est-ce qu'il y a? Cette parole-là, cette déclaration que le pasteur déclare ici sur toi, trouve quoi en toi? Tu es fondé sur quoi? Le pasteur Eric peut se mettre à crier ici. Si en toi-même, il n'y a pas un point de contact où cette parole doit trouver un point d'accomplissement, rien ne se fera. Tu vas sillonner d'une église à une église à la recherche de miracles, alors que le Dieu des miracles est en toi. Le Dieu des miracles étant en toi, sa parole étant la vérité, prends cette parole-là comme témoin. Et dans ce que tu fais, tu rappelles à Dieu, Dieu est respectueux de sa parole. Il se soumet à sa parole. Parce que c'est sa parole à lui. Ce n'est pas la parole d'un homme. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Dieu nous veut tous sur le chemin. Marchons sans peur, car le Seigneur est avec nous. Le roi nous précède sur le chemin. Il a préparé pour nous ce qu'il y a de meilleur que le monde ne peut pas nous offrir. Que le Seigneur vous fasse autant de bien. Oui, mon frère, ma soeur, tu veux, tu aspires à la maturité chrétienne, à la maturité spirituelle, mais il y a aussi un prix à payer. Reste attaché au Seigneur. Fonde ta foi sur lui, tout en sachant que lui-là, il est fidèle. Ce qu'il a promis, il a des ressources, il est capable pour pouvoir l'accomplir pour notre bien. Afin que quand le monde voit, il se dit, ah ça, il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Il n'y a que lui. Nous allons incliner nos têtes, prier le Seigneur. Chers frères et sœurs, oui, l'apôtre Paul nous a rappelé ce matin, je travaille en vue de votre maturité, en vue de votre croissance, pour que vous deveniez des personnes adultes, des personnes adultes. J'y travaille pour cela.